Le calendrier de l'Éternel, le jour caché, la dernière heure. Introduction. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 à 22. Alors voyez-vous ici, de ne pas mépriser les prophéties, d'avoir du discernement, mais d'examiner toutes choses. Alors d'examiner toutes choses, ça veut dire de prendre analyse sur l'information reçue et de pouvoir être en mesure par vous-même, avec la prière ou en vérifiant dans votre intellect ou dans votre cœur, à savoir si l'information reçue a du sens ou non. Vous retenez ce qui vous semble bon et vous rejetez ce qui vous semble inacceptable ou non approprié. Alors, cette introduction-là ici est très importante parce que ce que je m'apprête à vous montrer, eh bien, va aller dans le sens de vraiment examiner toute chose et de retenir ce qui est bon. Loin de moi de vous donner encore des dates, mais par la force des choses, je vais vous donner des dates à cause que l'astronomie est une science qui est précise et à cause de cette science précise-là, je vais vous donner des dates. Vous proposer des dates et je vais vous expliquer pourquoi je vous les propose. Et je vais vous dire ceci. Tout ce qui s'est produit le 13 septembre est absolument significatif. Il n'y a rien de moins significatif qu'il y en avait il y a 3 mois ou 4 mois avant l'événement du 13 septembre, où, tout le monde on le sait, il n'y a pas eu d'enlèvement. Je vous dis ça parce que si le Seigneur était vraiment arrivé le 13 septembre, nul n'aurait pu prétendre avec vraiment preuve à l'appui que le Seigneur a tardé à venir. Maintenant, depuis le 13 septembre, des prophéties très spécifiques se sont amorcées et nous voyons une déchirure dans l'Église. Et nous voyons une Église réelle qui est accablée d'un côté, qui est anxieuse, remplie de sentiments d'angoisse, de colère peut-être ou de tristesse. Et la plupart des gens à qui je travaille, à qui je communique, me disent qu'ils sont grandement attaqués. Ils vivent de grandes tribulations présentement. Des tribulations comme ils n'en ont jamais subi. Et à ce propos, je vais juste faire part d'une histoire qui s'est produite environ 4 jours en Irak, pour nous rappeler à tous que, malgré les attaques, que nous sommes peut-être finalement pas si pire que ça, dans des situations qui sont quand même acceptables. Je vais vous faire part de ce qui s'est passé en Irak. Un groupe de 6 hommes et de 2 femmes, une de 29 ans et l'autre de 33 ans, ont été capturés par ISIS. Ils sont tous des chrétiens. Ils ont demandé à ces chrétiens-là de renoncer dans le nom de Jésus. Ils ont refusé. Ils les ont amenés dans la rue. Ils ont fait sortir les gens dans les rues. Publiquement, ils ont demandé encore une fois à ces gens-là de renoncer au nom de Jésus. Les 8 chrétiens ont refusé. Les 2 femmes et les 6 hommes ont refusé. Alors, ils étaient un groupe d'une dizaine d'hommes de ISIS. Ils ont violé les femmes publiquement. Ces femmes-là, on pouvait les entendre prier lors des viols de groupe. Elles continuaient de prier. Après, ils ont aligné ces 8 chrétiens-là. Ils ont demandé une dernière fois, « Renoncez-vous au nom de Jésus. » Ils ont aligné, ils les ont mis à genoux, les préparant à leur couper la tête. Et ceux-ci ont tous refusé. Et pendant qu'ils coupaient la tête, on pouvait voir une des femmes, la tête vers le ciel,
presque sourire, en priant, elle continue de prier Jésus, nous rapportent les témoins. Alors, ça vous donne une idée de la situation actuelle dans laquelle on est et de à quel point les chrétiens sont vraiment rejetés d'une façon systématique. Ceci m'amène à vous dire aussi qu'à Jérusalem, présentement, il y a vraiment une situation de guerre civile. C'est une situation extrêmement prononcée et qui ne se désamorcera pas. Et on peut voir dans Zacharie 12, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour toutes les nations d'alentour. Eh bien, cette prophétie-là a déjà commencé, mais là, elle est vraiment dans une très grande partie de son accomplissement. Et vous savez que Jérusalem, c'est non seulement Israël est l'horloge de l'humanité, mais Jérusalem nous donne la petite aiguille des secondes. Elle nous donne la précision à la seconde près des événements prophétiques. Alors, attachez-vous bien, attachez votre ceinture et suivez-moi dans cette vidéo-là qui ne sera pas tellement longue, mais qui va vous réserver des surprises inattendues. Donc, la première étape qu'on va faire, on va tout simplement réviser rapidement un peu ce qui s'est passé lors de la visite du pape. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette visite-là, elle est extrêmement prophétique. Prophétique parce que c'est l'annonce officielle du dernier empire qui va venir sur terre, tel qu'annoncé par le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Cet empire-là, qui devrait être constitué de 10 biorégions, 10 grands royaumes répartis sur la terre, eh bien, il est annoncé, ils appellent ça le développement durable ou le développement du millénium. Si on regarde ici les précurseurs ou les conditions les plus marquantes pour l'enlèvement, parce qu'on a plusieurs prophéties par lesquelles on sait que bon, nous sommes dans les tribulations ou ça peut être envers l'enlèvement ou proche de l'enlèvement, mais dans les prescriptions très proches, les conditions très proches, ou imparable, si vous voulez, les conditions absolues pour l'enlèvement, eh bien, nous avons ici deux conditions. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, l'apostasie, vous le savez, justement, passe, notamment par cet homme-là. Depuis qu'il est là, on n'a jamais vu autant d'églises se rallier à une seule personne. Et là-dedans, on compte un bon nombre d'églises qui devraient être supposément évangéliques, des églises baptistes, protestantes, et la liste est tellement longue. Et non seulement on parle de la vraie chrétienté qui se ligue à cet homme-là, qui lui baise la main, comme on dit, mais il y a aussi des gens de toutes les religions du monde qui se liguent à cette personne-là, du pape François, qui est définitivement le faux prophète. Alors donc, première condition, l'apostasie doit arriver auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on en adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, ceci va le faire éventuellement, là, se proclamant lui-même Dieu. De façon spirituelle et symbolique, une personne a fait ça déjà, de s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu, c'est Barack Obama, encore une fois, qui l'a fait. Lorsqu'il a lu les psaumes 46 devant au site du Ground Zero, à la tombée des deux tours, et il l'a fait là. Et donc, on peut supposer, avec l'annonce du gouvernement mondial, avec l'annonce du dernier empire qui va fouler cette terre-là, que sans l'ombre d'un doute, lors de la venue depuis l'équinoxe d'automne, le 23 septembre cette année, c'était jusqu'au 28, je vais regarder juste mon calendrier, il est resté jusqu'au lundi, on est au mois de septembre, le 23 est arrivé là. Oui, effectivement, il est resté jusqu'à, le 28, mais de toute façon, ça correspond justement à la lancée, vous allez voir, des Nations Unies, du Nouvel Ordre Mondial, officiellement proclamé. C'est-à-dire que vraiment, on en a l'annonce officielle. Et il faut absolument que cet événement-là, qui est extrêmement prophétique, corresponde à la première manifestation de l'impie
Il y en a une deuxième un peu plus tard. On le voit ici. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira de son souffle. Et donc, mais on parle d'une première apparition ici. Et donc, je regarde un peu un transcript de ce que le pape ici, en fait, c'est Obama, de ce qu'Obama a dit. Eh bien, on voit le mot paix et sécurité et prospérité apparaître. Voyez-vous ici, peace. Et je crois que le mot prospérité qui apparaît aussi. Et ça, on le voit avec la transcript du pape. Ça, c'est le transcript du pape ici. Donc, Obama s'est adressé à la nation et a parlé du pape. On a le transcript d'Obama ici. Et qui est vraiment un agenda d'une valeur mondiale au maximum. Et nous avons ici le transcript du pape qui lui aussi parle de la paix, de la prospérité. Ils diront paix et prospérité, paix et sécurité, et une ruine subite s'abattra sur eux. Et on le voit ici. Nous voyons les développements durables, et c'est exactement ça. Développement durable, lorsqu'ils parleront de cela, on parle du nouvel ordre mondial. Et le débat a lieu du 25 au 27 septembre. Et le 25, c'est à ce moment-là que le pape François est rentré à New York. Il est rentré, la première fois, ils l'ont vu. Il a été filmé à CNN et le début, lorsqu'ils ont dit, ah voilà, il arrive, on voit le pape et il est 11h11. Croyez-vous que c'est un hasard? À 11h11, on voit le pape arriver juste avant de faire sa messe et il est transporté à l'intérieur du One World Trade Center. Je vais vous montrer une vidéo. Et remarquez bien, il est transporté par un genre de voiturette de golf. Attendez un instant, je vais vous trouver la vidéo là-dessus. Un instant. Golf cart mule. Voyez-vous ici, les voiturettes de golf se font appeler des mules. C'est le nom commun. Tous ces petits véhicules tout terrain là ou les voiturettes de golf, on appelle ça des mules. Vous allez voir le mot mule à plusieurs reprises quand je rentre golf cart. C'était le mot anglais pour dire voiturette de golf. Je rentre le mot mule, vous l'avez, regardez ça. Est-ce que c'est assez clair, là? Et à quoi ça vous fait penser, une mule, avec quelqu'un qui rentre comme ça, en portant un message, pardon, je vais vous retourner à la vidéo, en venant faire une messe, et vous allez voir un peu plus loin qu'il a déclaré durant cette messe-là que Jésus a failli à la croix. Alors, c'est une moquerie du plus haut niveau, c'est un blasphème du plus haut niveau. N'allez pas croire que c'est un hasard. Il n'y a absolument aucun hasard. Voici, moi j'ai vu la vidéo où on voit avec CNN, la première fois qu'il filme le pape, il arrive juste en avant du One World Trade Center, c'est 11h11. Regardez ici, le transcript CNN a débuté à 11h, heure de l'Est. ET, ça veut dire Eastern Time, donc l'heure de l'Est. Et voyez-vous ici, ils ont fait le transcript de 11h pile à 11h30. On voit ici, OK? Bon, mais regardez bien. Je vous ai montré aussi que la vidéo, il arrive sur un golf, une voiturette de golf, donc c'est une mule. Regardez dans Marc chapitre 11, donc c'est à 11h, Marc chapitre 11, verset 4. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissait aller. Ils amenaient à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans des champs.
Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le très haut des cieux, dans les cieux, dans les lieux très hauts. Donc, c'est Jésus qui fait son entrée sur le dos d'un ânon. Et ici, on a Marc chapitre 11, et vous avez toute la description ici dans Marc chapitre 11, et ils ont commencé à 11 heures. Il n'y a vraiment aucun hasard à cette situation-là. Et vous voyez, c'est une moquerie d'un très, très grand niveau ici. Vraiment, on a quelque chose ici qui n'est pas un hasard non plus. Maintenant, lors de l'homilie, le pape François, à la cathédrale Saint-Patrick de la ville de New York, a carrément déclaré que Jésus avait failli à la croix. Je vais vous faire écouter et vous allez entendre, il y a un traducteur en anglais, parce que la voix du pape François est un peu plus faible. Et vous allez voir, il parle même que la chrétienté, qu'en tant que chrétien, notre vie est une faillite. Vous allez voir, il parle des chrétiens, qu'on a l'impression des fois de se battre dans la vie de tous les jours et que nous avons des échecs, des échecs, des échecs, et nous sommes à l'image de Jésus qui lui a failli à la croix. Écoutez bien. Our efforts and works seem to fail. Il dit nos efforts, nos travaux en tant que chrétiens semblent fail, ça veut dire manquer, ça semble être des échecs. And not produce fruit. Et ne pas produire des fruits. We need to remember. Nous avons besoin de nous rappeler that we are followers of Jesus Christ. Que nous sommes ceux qui suivent Jésus-Christ. And his life. Et sa vie, humanly speaking, humainement ended in failure. The failure of the cross. C'est terminé en échec, l'échec de la croix. Alors, vous voyez ici, il proclame l'échec à la croix de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas avoir un événement plus prophétique. Ça a été médiatisé dans le monde entier. On parle de la réception d'un pape qui a parlé au Congrès américain. Jamais ces choses-là ne se sont vues. En même temps que vous voyez ici, il lance, il proclame le nouvel ordre mondial. Ils appellent ça développement durable, Sustainable Development Summit 2015. On voyait les dates ici, c'est exactement le même temps que le pape a agi là-bas et qui s'est terminé à la Lune Rouge. Et justement, le départ de cet agenda-là officiellement est à la Lune Rouge, c'est-à-dire qu'ils ont terminé les débats le 27 et le lendemain, ça commence. Ils ont commencé d'ailleurs les débats annuels, la rencontre, dans lesquels on a entendu Barack Obama faire un discours qui l'encense. Il approuve dans son discours tout ce que le pape François est venu proclamer, c'est-à-dire une religion mondiale à Philadelphie. Il a proclamé le nouvel ordre mondial. Il a parlé qu'il faut, en tant qu'être humain, être responsable du développement, etc., etc., etc. Donc, voyez-vous ici, en plus, on parle de la 70e session correspondant à la 70e semaine de Daniel, et la 70e semaine de Daniel, c'est celle qui correspond aux tribulations. Si on entre plus dans les détails, développement durable, Nations Unies, on rentre les mots peace. Voyez-vous ici, paix, 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 on parle de paix partout, et on parle aussi de sécurité. Voyez-vous ici, sécurité. Security, 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 voyez-vous. Et la Bible nous dit clairement dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Et regardez bien ça, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. » On a un indice incroyable et, comme je vous avais déjà montré,
Ici, pour revenir, on a un cycle entre la première lune de 100 et le milieu de 266 jours. Je peux vous le grossir un peu. Et on a la même chose entre du milieu à la dernière lune de 100. Et voyez-vous ici, c'est une super grande lune de 100. Autrement dit, le bébé est prêt à sortir, la femme est prête à accoucher. Alors, croyez-vous qu'ici, nous n'avons pas un indice extraordinaire, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Alors, puis j'ai d'autres choses à vous montrer pour la femme enceinte à la fin de cette présentation-là qui va vous surprendre étonnamment. Alors, donc, ici, on voit quand les hommes diront paix et sécurité, et lorsqu'on voit security, développement durable, et ça, ils appellent ça l'agenda 2030. On avait l'agenda 21. Et depuis le 28 septembre, officiellement, nous sommes rendus dans l'agenda 30. Et c'est terminé. Ils ont proclamé le nouvel ordre mondial. Et nous, les chrétiens, nous ne pouvons plus rester sur cette terre. Notre temps est compté. Ça, c'est clair. Donc, vous voyez aussi le nombre de mots « security » dans tout le texte. Et si je rentre le mot « peace »,« paix », bien, vous l'avez à autant d'endroits. « Peace ». Ah oui, toujours la paix. Avec une liberté encore plus grande. La seule liberté qu'ils vont avoir, c'est leur liberté. En nous faisant prisonniers, nous, ils vont avoir un développement durable. Ils vont donc devenir plus libres. C'est leur but. Ils n'en ont rien à faire de ce qui peut nous arriver ou du sort de l'humanité, du peuple en arrière. Ils ont, ça ici, je vais y revenir, les buts, 17 buts. Alors, ça, on va y revenir. Voyez-vous encore le mot « peace » qui est absolument partout. L'ONU lance un nouvel agenda universel pour l'humanité. Un article du 24 septembre. Un des plus grands pas vers un gouvernement mondial que nous ayons jamais vu a eu lieu cette semaine et pourtant presque personne n'en parle. On appelle ça en anglais « hidden in plain sight ». Caché à grande vue. En fait, il est même appelé un nouvel agenda universel pour l'humanité. Ce ne sont pas mes mots, mais ce sont les mots de l'ONU que l'ONU utilise. Si vous ne croyez pas cela, alors regardez le document officiel pour ce nouvel agenda des Nations Unies, qui en passant a été endossé par nul autre que Barack Obama et le pape François. Alors, pour moi, avec les preuves que j'ai amenées sur Barack Obama, j'ai certains détracteurs qui m'écrivent. Et malheureusement, j'ai beau regarder leurs preuves. Et c'est vous qui êtes maître, de toute façon, des informations que je vous mène. Alors, on m'a déjà demandé à quoi ça sert de savoir qui est l'identité de l'Antéchrist. Ça devient important à ce stade-ci. Parce que si vous n'êtes pas capable d'imaginer que la manifestation de l'impie s'est faite à ce stade-là, ça peut vous poser un problème, à savoir combien de temps il vous reste avant de rejoindre votre Créateur. Et ça peut être un petit problème. On se fait beaucoup critiquer de persévérer à regarder parce que je le fais parce que je sens dans mon cœur qu'on doit partir. La meilleure preuve qu'on a, c'est ce qui se passe actuellement à Jérusalem avec la guerre civile qui est en début et ça ne semble pas se désamorcer. Et ça ne se désamorcera pas. Le prophète Zacharie dit qu'il va faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'à côté. Et là, vous voyez, les peuples arabes, vraiment, sont en colère. Et ils n'ont plus accès au temple du mont. Et c'est la guerre civile qui va commencer. Alors donc, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans la lecture. L'expression « Nouvel agenda universel » est tout près de la fin du préambule. Officiellement, le nom de ce nouveau programme ambitieux est l'Agenda 2030. Alors, il dit un peu plus loin, il dit, si vous n'aimiez pas l'Agenda 21, alors vous n'allez vraiment pas aimer l'Agenda 2030, parce que cet agenda-là reprend les choses à un niveau entièrement nouveau. L'Agenda 21 a été principalement axé sur le changement climatique et l'environnement, mais l'Agenda 2030 va beaucoup plus loin. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'agenda 2030 porte sur l'économie, l'agriculture, l'éducation. C'est drôle, hein, l'économie, l'agriculture.
Déméter, la reine de l'économie, celle qui tient la balance du pouvoir dans ses mains. Déméter, Astrée, et la balance de l'économie. Alors donc, l'éducation, l'égalité des sexes, la santé et toute une foule d'autres questions. Il a été avancé qu'il y a peu de formes, qu'il y a très peu de formes de l'activité humaine qui ne relèvent pas des objectifs de l'agenda 2030. Autrement dit, c'est un contrôle absolu de tout ce qui se passe au niveau de l'activité humaine sur la planète Terre. Alors, ces objectifs mondiaux sont finalement contrôlés par le gouvernement mondial qui passe par l'Organisation des Nations Unies et dont bientôt ils vont nous dévoiler le chef, celui qui va siéger sur ce gouvernement mondial-là. Et actuellement, toutes les preuves tendent à montrer qu'ils ont choisi Barack Obama. Il est le seul président d'un pays qui a siégé, qui a présidé une assemblée, la 69e assemblée, donc juste la semaine avant la 70e semaine, et etc. Écoutez, il y a tellement de numérologie qui se réfère à l'entrée d'une tribulation aux Écritures bibliques extraordinaire. Voyez-vous, ils utilisent même des gens ici pour faire la promotion de ces buts mondiaux-là, que ça va être la prospérité, l'amour, le lion va coucher avec le chaton, etc., etc. Et si on regarde ici, en plus dans l'article, voyez-vous, on nous met des ours, des petits calinours qui mangent un corps. C'est comme satanique. Et ce qui m'a vraiment étonné de l'article ici, je vous donnerai les liens en haut de des documents que je vous ai passés jusqu'à date, les transcripts d'Obama, du pape, des Nations Unies. Je vais tout vous mettre ces liens-là. Mais voyez-vous ici, en arrière-plan, on voit un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais moi, ça me parle, ces choses-là. Alors, voyez ici les objectifs. Fin de la pauvreté sur toutes ces formes partout. Et oui, on peut croire que ces gens-là qui nous mettent des OGM vont mettre fin à la pauvreté. Alors qu'ils se promènent gavés de toutes sortes de richesses devant nous. Et ils n'en ont rien à faire de nous, on le voit très bien. La fin de la faim, bravo, la fin de la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer l'amélioration de la nutrition, bien oui. C'est sûr qu'en diminuant la population de la Terre, si je la diminue de 90%, je risque d'améliorer d'enlever la faim dans le monde. Vous êtes d'accord là-dessus? Il nourrit en plein visage. Pas compliqué, là. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous, à tous les âges. Ben oui, c'est sûr. Lorsqu'on a éliminé 90% de la population, on peut le faire. Assurer une éducation de qualité équitable pour tous. Ça veut dire prendre le contrôle. On l'enlève aux parents. Nous, on va enseigner l'évolution, on va enseigner les principes que nous, on a décidé qui sont bons. On va laver le cerveau du peuple, finalement, pour mieux pouvoir les contrôler. Assurer l'égalité des sexes. Ah bon, ben c'est ça. Donc, un mariage, par définition, c'est entre un homme et une femme. Et là, on va décider qu'un chien est un chat est un chien. Une girafe est un lion est une girafe. Donc, le mariage est bon pour deux hommes, et bientôt ça va être une femme avec un labrador, un homme avec une girafe, ou n'importe quoi. Amenez-en, tout est là, on va pouvoir faire absolument n'importe quoi. Assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Bon, écoutez, la gestion de l'eau. C'est vrai qu'il y a des endroits sur la Terre qui manquent d'eau, mais il y en a d'autres actuellement où il y en a trop d'eau. Eh bien, évidemment, l'eau, c'est une ressource importante, mais ce qu'ils nous disent ici, c'est qu'ils veulent s'accaparer le contrôle absolu sur l'eau pour nous en donner à compte-gouttes, pour nous contrôler. Moi, je vois rien d'autre que ça ici. Assurer l'accès à une énergie abordable, fiable, durable, moderne pour tous. Ah, c'est sûr qu'ils vont... Ils possèdent déjà des façons de faire pour assurer l'énergie du fonctionnement des sociétés. Ces technologies-là nous ont été cachées. Ils vont seulement les faire ressurgir lorsqu'ils vont avoir le contrôle sur une poignée de gens qui vont rester sur Terre. Là, on va voir ces technologies-là émerger, pas avant. Et c'est eux qui vont avoir le contrôle absolu de ces technologies-là. C'est une façon qu'ils vont avoir de plus avec la nourriture, avec l'eau, de nous contrôler.
promouvoir une croissance économique durable pour tous. Eh bien, c'est sûr, en contrôlant le niveau de la population, vous pouvez contrôler l'économie et surtout si vous mettez des implants à chacune des personnes qu'ils ne peuvent ni acheter ni vendre sans cet implant-là, eh bien, vous pouvez contrôler la croissance économique. Ils peuvent faire apparaître les sommes qu'ils veulent au moment où ils veulent parce qu'il n'y aura plus d'argent liquide, ça va être des crédits. Et ils peuvent, en pitonnant sur un clavier, en pesant sur Enter, faire ce qu'ils veulent de l'économie. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir l'industrialisation durable. Oui. Eh, c'est sûr, je vais vous parler de ça, la réindustrialisation durable. Alors, eux, pendant qu'ils coupent des arbres, on a le Canada qui a été rasé dans le nord. Ils ont coupé tous les arbres. Ils étaient supposés là, de replanter des arbres. Et ça a été fait à moitié, puis je dirais même plus qu'à moitié. Ça a été absurde. Ça a été négligé à l'extrême. Notre gouvernement est complice. Le gouvernement canadien est complice pendant 20-30 ans de ça. Là, il m'a amené un journaliste est arrivé, a fait un reportage là-dessus il y a peut-être 5 ans, 6 ans, où on voit le Grand Nord canadien par endroits complètement dévasté, démuni de tout arbre. C'est une catastrophe écologique. Et ces mêmes gens-là qui sont venus couper les arbres en ne payant pas de royautés, en mettant des petites enveloppes brunes à nos gouvernements, vous impose d'avoir un petit sac de recyclage pour aller vous acheter quelques denrées au supermarché. Et si vous n'avez pas votre petit sac avec vous, vous l'avez oublié, on vous charge 5 sous pour avoir un autre petit sac pour, vous savez, pour la pollution, pour etc., etc., etc. Et nous, nous obéissons. Je veux dire, bon, il n'y a rien de mal de ne pas polluer, je comprends tout ça, mais les gens qui vous imposent ça, ce sont les pires. Il faut que vous réalisiez ça. Ils vous font sentir coupable, ils vous font croire qu'on est trop sur la planète, donc il va falloir tuer les gens, d'en faire mourir, prendre des décisions drastiques pour assurer la survie de l'espèce. Évidemment, eux ne font pas partie de ce plan-là. Eux décident et eux se sortent de ça. Eux ont le droit de vivre vieux, eux ont le droit de vivre grassement. Ils vivent au-dessus de nous. Donc c'est ça, bâtir une infrastructure résiliente. Réduire les inégalités dans et entre les pays, c'est sûr, ils vont globaliser tous ces pays-là en 10 biorégions. Je vous ai déjà montré des cartes, inutile d'en dire plus. Il va y avoir des despotes qui vont gérer ces divisions-là. Et vous allez être le troupeau à l'intérieur, si vous êtes encore vivant, si vous n'avez pas été enlevé. Assurer pour toutes les villes et les colonies humaines, et des colonies humaines sûres. Assurer pour toutes. Pour tous, ok, pardon. Assurer pour tous des villes et des colonies humaines sûres, résilientes et durables. Encore une fois, c'est développement durable. Ils ont le mot durable partout. Développement durable, tout est durable, il faut que ça soit durable, etc., etc. Eh bien, c'est sûr que ça fait partie un peu du paragraphe un petit peu plus haut ici, des infrastructures résilientes. Ils vont être les 10 biorégions vont être gérées de façon avec une main de fer et les gens vont devoir obéir. C'est ce que ça veut dire ici. Assurer des modes de consommation et de production durables. Ils vont vous contrôler sur ce que vous devez consommer et produire pendant qu'eux vont s'empiffrer. Vous n'avez même pas idée. Prendre des mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques et ses impacts. Ben oui, c'est bien sûr. Nous savons tous que il y a une deuxième étoile, vous pouvez l'appeler Nibiru, Planète X, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, qui s'approche et qui crée des cataclysmes sur la planète Terre. Mais non seulement sur la planète Terre, mais tout le système solaire est affecté présentement à très grande vitesse par ces objets-là qui s'approchent, qui sont à l'intérieur de notre système solaire, très proches. Et donc, il fallait trouver une histoire de couverture. Eh bien, l'histoire de couverture, c'est de dire que effectivement, il y a trop de monde, on fait l'activité humaine, ça crée un réchauffement climatique. Et donc, encore une fois, la solution ici, c'est de sabrer dans la population. Il n'y a aucun autre. Il ne faut pas changer ça ici si vous ne sabrez pas dans la population. C'est un synonyme de vous dire tuer 80% de la population. Conserver et utiliser durablement les océans. Bien oui, les océans, bien, oui, c'est durable. Tout est durable. Nous allons durer. Les océans vont durer. Les mers et les ressources marines.
Alors que, bon, ils nous cachent la catastrophe de Fukushima qui est en train de tuer l'océan Pacifique au complet. Eux nous parlent, ils nous, excusez-moi l'expression, ils nous bullshit, ils nous en mettent, ils nous disent n'importe quoi à l'effet qu'il faut s'occuper des océans, vous êtes responsables. Vous êtes une petite goutte dans l'océan et chacune des petites gouttes que nous sommes a un effet sur l'océan. Eh bien, je veux bien croire, mais il est peut-être temps qu'ils nous parlent de ce qui se passe avec les radiations. Alors, ce sont des menteurs de A à Z, de Z à A. Je veux dire, j'ai pas de mots pour vous le dire. Si vous le voyez pas à ce stade-ci, vous êtes mieux de fermer cette vidéo-là puis aller écouter la télévision, des spectacles, n'importe quoi. Profitez-en pendant que c'est encore possible. Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres. La gestion durable des forêts. Ben oui, ça, je vous en ai parlé. Ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé au Canada, ça s'est passé dans d'autres pays, allez voir un reportage, catastrophe écologique, les forêts du Canada ont été décimées. Rentrez ça dans Google, vous allez finir par trouver des reportages, vous allez voir, c'est un j'ai dit, j'ai juste le mot reporter, mais un journaliste qui a rapporté ça, qui a pris des photos en hélicoptère, c'est une vraie catastrophe. Et quand ils sont venus poser des questions au gouvernement, mais qu'avez-vous fait? Oh, nous, on a mis des lois, oui, mais vous avez des inspecteurs qui doivent surveiller ça. Il y a des gérants de forêt. Ben oui, ils sont tous achetés, puis il y a des gens qui ont dû faire des rapports, c'est tombé entre deux chaises. Puis amusez-vous, prenez nos forêts. Ah, vous devez des redevances. Oh, donnez-nous 5 $, c'est beau. Là, on va oublier les 25 millions de dollars que vous nous devez. Mais imposez des petits sacs de plastique à chacun des gens pour ne pas gaspiller les arbres. Ça, par exemple, on va vous faire ça. Comme je vous dis, j'ai rien contre la deuxième méthode, mais il faudrait peut-être que la première méthode, qui est de couper ces arbres-là de façon responsable, soit appliquée. C'est eux qui mettent l'argent, le gros de l'argent, qui prennent les ressources. Vos ressources ont été volées avec la complicité de vos gouvernements. Promouvoir des sociétés pacifiques, bien oui, hein, pour tous, pour un développement durable. Wow! Fournir un accès à la justice pour tous. Ben oui, voyez ici actuellement, il y en a-tu de la justice? Il n'y a aucune justice. Il n'y a absolument aucune justice. La Bible nous dit malheur à celui qui se confie dans l'homme. Si vous voulez vous fier dans l'homme, si vous croyez que vous allez avoir de la justice dans le nouveau monde, là, les New Age, là, qui pensent que là, on va avoir un temps de paix, nous allons vivre dans l'harmonie. Vous savez, là, bon, ben c'est ça. Vous mettez un doigt dans l'œil. Seulement le Seigneur qui va venir rétablir ça sur la terre, il n'y aura personne d'autre. Et les prophéties bibliques se déroulent avec une précision parfaite actuellement. Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour un développement durable. Encore un développement durable. Ça, c'est un. Ça, on appelle ça du marketing. C'est un marketing qui sert à laver les cerveaux. Je vais vous développer durablement. Nous sommes dans un développement durable. Tue ton voisin. Une bouche de moins à nourrir. Plus de nourriture. Nous allons durer plus longtemps. Etc., etc. Avec le temps qu'ils se sont moqués de nous, il est peut-être le temps un petit peu qu'on leur montre qu'on est extrêmement au courant de ce qu'ils vont faire. Ah, ici, assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous et à tous les âges. Traduction, la vaccination de masse et le Codex Alimentarius. Codex Alimentarius, ceux qui ne savent pas c'est quoi, eh bien, ils vont vous dire que les multivitamines, c'est des poisons. Et que si vous en prenez, vous pouvez faire de la prison. La vitamine C est proscrite, c'est comme un poison. Et par contre, on va faire la promotion de poison à rats. Ça devient des bonnes choses pour votre santé. Je pense que l'aspartame fait partie des aliments que vous devez manger, etc. Écoutez, c'est le monde à l'envers, là, je vous dis. Là, j'exagère peut-être un peu pour le Codex Alimentarius, mais je vous dis pas beaucoup. Parce que je l'ai lu il y a plusieurs années, je ne prendrai pas le temps de le leur lire. Si vous devez, si vous voulez, vous rentrez Codex Alimentarius dans Google, vous allez trouver. Lisez ça vaut le détour. Je n'ai pas le temps de faire ça dans cette présentation-là, mais je vous le dis, ça vaut le détour. Alors, attachez-vous bien, parce que là, j'ai terminé, si vous voulez, un petit peu le survol de ce qui s'est passé avec la visite du pape. Vous voyez
concordance avec l'agenda des Nations Unies. Ils vont les deux de pair. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que on va rentrer dans une deuxième partie et là, on va comparer exactement ce que les Écritures nous disent du retour de Jésus et on va revenir sur les événements du 13 septembre et on va faire les parallèles avec un autre calendrier qui serait le véritable calendrier de Dieu. Et vous allez voir, j'ai des surprises pour vous là-dedans. Là, ça a commencé très, très doucement. Ici, c'est une introduction, si vous voulez, une mise en bouche de qu'est-ce qui vient. Mais dans la deuxième partie, vous allez voir quelque chose de vraiment étonnant. Mais attendez de voir la troisième partie, parce qu'il semblerait que des événements qui se produisent actuellement semblent vraiment indiquer que cette fois-ci, ce calendrier de l'Éternel-là pourrait très bien être le bon. Évidemment, je vous répète qu'il faut avoir du discernement. Je ne peux pas vous assurer que c'est cette date-là. Mais à voir les événements, vous regardez, c'est très très simple. Vous regardez seulement ce qui se passe à Jérusalem. Vous regardez ce qui se passe en Syrie actuellement. Nous sommes très 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 proches.